responsable de la police nationale du département du Nord, monsieur et dames les responsables des différentes directions départementales du Nord, les membres des différentes organisations de base, paysannerie du Nord, et les cadres de la direction de l'agriculture du Nord, la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, et amis et alliés de la direction du Nord. Je vous remercie en foi de plus pour votre présence aujourd'hui parmi nous. Alors ça fait depuis 2016, ok? Je vis au sein de cette direction. 4 ans comme étant directeur départemental adjoint et 11 mois, 7 jours comme directeur départemental agricole du Nord. C'est un plaisir pour moi. Non seulement comme étant fils du département du Nord, mais aussi un agronome, celui qui veut changer l'ordre des choses. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir à nouveau le nouveau directeur agronome d'Orville. Il m'a passé la clé en septembre dernier. Aujourd'hui, je vais lui remettre la clé. Parce que je le connais depuis 2002. On est ensemble à Dessaïbi. Il se basait au nord, moi je basais au plateau central. Ok? On a passé un bon bout de temps ensemble, ok, comme amis. Et on reste amis. Je demande à tout chacun de lui aider à continuer le travail. Ce n'est pas aussi facile. Ok? Avec le problème politique du pays, les problèmes financiers, tout ça, je vous demande, l'équipe de la DDRN, de lui accompagner. Et là où je suis, à distance ou de près, je vais lui donner la main pour lui aider à finaliser ce que moi, j'avais envie de réaliser. Peut-être avec le temps, je ne peux pas réaliser ce que j'avais en tête. Mais j'espère, avec son dynamisme, avec son bravoure, sa façon de faire, il va réussir à non seulement réaliser ce que j'avais en tête, mais lui, ce qu'il a en tête pour le département du Nord, comme il est aussi un fils de département. Alors je demande au responsable du BAC, je demande à tous les responsables des projets, ok, au nom du département, de lui porter la main forte pour qu'il puisse atterrir, ok, au niveau du département. Parce qu'on aimerait ça, on veut ça, et ça, c'est pour le bien des agriculteurs. Une fois de plus, je vous dis merci. Et au revoir. Et de garder une minute de recueillement en mémoire du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet chez lui à Port-au-Prince. Monsieur le nouveau directeur départemental de la direction départementale agricole du Nord, Monsieur le directeur départemental sortant, mesdames, messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs les représentants des organisations bilatérales, multilatérales et internationales, mesdames, messieurs les cadres du ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, particulièrement ceux de la Direction départementale agricole du Nord. Monsieur le directeur départemental du Nord de la PNH, Madame la représentante du ministère de la Condition féminine, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations et associations paysannes, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de procéder à l'installation de l'ingénieur agronome Franz Dorville comme étant le nouveau directeur de la direction départementale agricole du Nord. Comme vous le savez tous, M. Dorville remplace à ce poste l'ingénieur agronome Pierre-Marie Boutus, qui était à la tête de cette structure départementale après avoir fait office de directeur adjoint pendant plusieurs années. Monsieur Boutus est connu pour son dynamisme, son sérieux, son grand intérêt dans le département du Nord. Son passage est marqué par sa participation active
dans la réalisation des grands travaux d'infrastructure à la Tadrée et à Saint-Raphaël, et aussi pour son appui conséquent aux différents programmes d'investissement public du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Monsieur Dorville, quant à lui, il n'est pas nouveau dans ce département. Il a marqué son passage d'une encre inaltérable. Il est celui qui a pensé à initier les travaux de réhabilitation sur la Tadrée, un système d'irrigation qui était abandonné depuis 40 ans. Et je dis 40 ans. En plus de cela, l'agronome d'Orville a fait preuve de leadership certain durant son bref passage comme directeur départemental. Il a pu faire de l'espace son credo en parvenant à mettre ensemble les différents acteurs du secteur agricole dans les tables sectorielles qu'il a réalisées et dans des conseils techniques auxquels il a participé. Je veux vous rappeler, mesdames, messieurs, que cette décision est intervenue dans un contexte où le Premier ministre Ariel Henry entend d'obtenir la confiance de la population dans un climat qui attend d'être apaisé face à une situation d'insécurité généralisée dans les villes qui ne permettent pas le déplacement sans danger, et je dis sans danger, des biens et des personnes dans la perspective de valorisation de la production agricole. Il entend mettre les bouchées doubles afin de poursuivre les travaux en cours d'exécution. Je veux parler plus spécifiquement de l'accès à l'eau aux exploitations agricoles aux fins d'améliorer la productivité des parcelles à travers des pompes solaires à énergie solaire, la réhabilitation des systèmes d'irrigation existants, un encadrement technique visant à booster le capital humain et la promotion des cultures exploitables dans la perspective d'accès au marché de la Caraïbe, entre autres. Au nom du ministre de l'Agriculture, ingénieur agronome Brady Chalot, et en mon nom personnel, permettez déjà que je vous félicite par anticipation, monsieur le directeur départemental, pour le travail que vous allez accomplir au sein de cette importante structure déconcentrée de l'institution agricole qui est prioritaire pour le gouvernement, aussi bien par son caractère attractif pour le tourisme et son potentiel agroécologique permettant le développement des cultures en toute saison. Monsieur le directeur départemental, les responsabilités qui vous incombent donc dans cette qualité, dans cette nouvelle fonction, sont énormes. Je vous invite à lire attentivement, une fois de plus, l'article 69 du décret portant l'organisation de l'administration de l'État afin de vous faire une idée de l'ampleur de la tâche à accomplir. Tel qu'il y apparaît, vos responsabilités sont de deux ordres. Elles sont d'ordre administratif et programmatique. Certainement, les maires ressources de nos jours, mises à la disposition de la Direction départementale agricole du Nord, soient utilisées de la manière la plus optimale que possible. Il s'agira aussi pour vous de réaliser avec peu ce que d'autres entités moins performante réaliserait avec des ressources énormes ou importantes. Vu sous un angle politique, agricole ou programmatique, monsieur le directeur, votre travail d'animation consistera tout en premier lieu
de redynamiser la table sectorielle départementale qui représente un espace privilégié d'échange entre les différents intervenants du secteur agricole de façon à dégager des complémentaires et synergies susceptibles de garantir une gestion optimale des ressources. Cela exigera de votre part une attitude de leader permettant d'étendre vos influences au-delà de la structure départementale agricole du Nord. Voilà en gros ce à quoi le Premier ministre Ariel Henry, le ministre de l'Agriculture Brady Chalot et le directeur général nous attendons tous de vous. Sur ce, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe comme directeur de la direction départementale agricole du Nord et vous en souhaite bonne besogne. Merci. Merci. Après autorité civile et policière, représentants des ONG et des autres partenaires, représentants des organisations paysannes, mesdames et messieurs, je dis à me retourner dans le département. Je dis à me mettre la merci parce qu'il est accompagné et bonne protection qui est nécessaire dans le moment. Je toujours dit de pouvoir vivre, il faut lutter. Je suis dans la direction, malgré que j'ai une pile de difficultés pour me dériver faire ministère à représenter dans toutes 19 communes avec 82 sections réalisées. Tâche n'est pas facile, surtout dans le contexte de l'économie, la politique et sociale. Quand le financement est paraît difficile en pile pour te permettre nos bons résultats, malgré le dynamisme et la volonté de gagner. Nous démenons un combat à tous les partenaires qui ont été dans le secteur. Côté nous tapons bataille pour le ministère comme leader réel secteur. Ça veut dire dans le réinsérer le leadership, pour côté tous les partenaires qui avaient été dans le secteur agricole, nous devons faire un signal à tous les partenaires si nous capturons le secteur agricole. Mesdames et messieurs, nous avons profité de remercier l'autorité du ministère qui voit la nécessité pour nous retourner dans le département et qui estime que nous avons fait un travail qui n'est pas fini pour profiter du secteur agricole, en particulier. DG, nous vous remercions. Nous profitons de remercier l'autre personnage qui est délégué départemental, qui est représentant du pouvoir exécutif là, et qui est un monde qui l'a pour assurer une bonne coordination sur toute activité et projet qui a fait dans le département. Il a compris l'action mieux, il a été bon. Il a été si bon. Merci délégué pour l'appui et m'a toujours porté sur vous. Agriculture descend dans le bas niveau, les charges du plus. Il demande un peu d'effort. Il faut que nous travaillions à contribuer pour nous retirer plus d'agriculteurs dans la misère et la pauvreté. Ce qui est pour le temps, pour nous gagner une agriculture durable. Pour ne pas de focus, pour prendre un job, pour aider sa vie tout seulement, il faut que toujours penser. Avec des milliers de monde qui ont service dans le monde, en particulier dans le secteur qui s'habite. Or, en tant que représentant de l'État, il faut qu'on bataille pour bailler service. Et ça, philosophie nous-mêmes, comme professionnels. Je dis à me retenir dans la poste là, pour me continuer à bailler accompagnement. Nous devons commencer à bailler, surtout avec les paysans. Surtout dans la commune 4e Morin, dans la zone de la Tannerie, Grand Bré, Cardouche, Caribé d'Atrosien. Nous connaissons de souffrir en pile parce que nous dépassons. Plus gros projet, ministère Guéen, là, je tiens en département, ce projet de réhabilitation pour mettre la tannerie, qui pourrait continuer à arroser plus passer 2000 hectares de terre encore. Ça pourrait permettre de marcher au cap, Port-au-Prince, bien plus banane, patate, manioc, maïs, pour aller la trier. Nous retournons parce que le travail s'est demandé de nous leadership.
à capacité pour atteindre l'objectif et les résultats pays à obtenir. Je me sens un sentiment de fierté parce que je suis passé comme directeur, ça a gagné un et je retourne encore. Faut que nous ayons courage tout pour nous dire, dans le mémoire, c'est le président, on remercie moi. Parce que l'aime de placer le projet, nous disons un mot. Nous disons, il faut essayer le canal après 40 ans. Depuis que je suis rentré, je passe en télévision, le président est là pour nous faire. Effectivement, nous avons le 1er mai, 3 mai, le président Jovenel Moïse Gassou sous chantier. Donc, de mémoire, nous ne pouvons pas dire ça. Nous avons de 1000 pour un département. Réhabilitation de la tannerie avec le médicament de mettre là, c'est le premier gros projet qui a réalisé un département après 40 ans. Il pourra porter une grosse amélioration dans le réduit grand goût avec l'importation de manger, car tout est nommé. Retournez ma femme, tirez une leçon. Où est-ce que ça va faire? Retournez un livre choisi. Et la nature, frère, c'est à vous. Parce que dans la vie, sans fesse, il a toujours joué tout le temps. C'est bon professionnel et personnel et professionnel. Ça veut dire sans fesse, il a toujours joué. Ou le ministère à direction, c'est assurer avec la confiance tout acteur, à tout partenaire qui a été dans le secteur. Il n'y a pas de travail contre l'autre. Ça veut dire nous faisons pour travailler en synergie. Et c'est pour ça que nous avons un résultat. Je veux dire, si l'agriculture est en état, ça, c'est une honte pour l'État là-dedans. C'est une honte pour tout partenaire, acteur. Ça veut dire nous tous qui ne pouvons pas régler rien. Donc c'est une raison en plus pour nous travailler ensemble en bas, leadership ministère. Qui l'a remis de l'ordre de façon pour nous jouer un plus bon résultat. Wow. Pour finir, je vais vous abonner au mieux. Technique agricole, fournisseur qui a fait un service dans le secteur, paysan, coopératif agricole, autorité locale, puis tout le partenaire qui a fait venir dans le secteur, à nous mettre main, à nous protocoler, dans nos ministères, avec la direction de Matala. Pour nous mettre tout bon relancer pour l'action agricole là. Le département, nous bénéficie tout le pays. Merci. Ici, au cœur de Pétionville, Haïti, faites l'expérience de l'unique casino El Rancho. Venez en tant que joueur, repartez en tant qu'ami. El Rancho Casino Haïti, créez-vous des moments inoubliables. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakai, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichèze Balakai.